Mes amis, en bon créole, Bouddha Mateli a grillé sous trois roches du feu et sous du feu bois en province dans pays là. Dans dimension bagala ya, c'est dernière phase là. Ça veut dire que ça finit net. Et moi l'expliquer. Tenez bien. Vous même te dit ça, Jovenel Moïse. Ou c'est petit bon Dieu. Ou c'est petit paysan. Ou c'est nèg andé même j'avais non. Sou t'es venu pour te faire mal avec peuple haïtien, on est qu'au pape jeune justice. Sou pas t'a fait bien pour Haïti, on est qu'au pape jeune justice. Si que ou t'es venu pour te faire bagage sérieux pour Haïti, dans façon que tout le monde te voit clairement, ou t'a posé pion yo, ou a jeune justice et nous commencer well. Si que contre t'a coupé yo, gros intérêt yo, c'était pour peuple t'a coupé ou a jeune justice et nous commencer well. Et m'a profité saluer madame Martine Moïse, première dame de la République. Femme vaillant. Femme qui gagne le courage. Femme en dehors petite paysan. Parce que Martine Moïse symbolise femme qui gagne le courage là. Soit pas de femme qui gagne courage ou met tout répéter non madame ça femme en dehors ça qui c'est Martine Moïse. Tout d'abord m'a saluer. Salut aux premières et continuez prier. Jeter de l'eau, faire tout ça quoi faire yo parce que moi route côté n'balé ya. Li met pas jodi ya, li met pas demain. Pour ça quoi bataille là n'a besoin ni ça que paysan besoin n'a besoin ni qui c'est tribunal pénal international là. N'a besoin ni. Zanmim frèmsem grand monde nan pays m toujours dit et m t'ai toujours dit nèg yo ça. Jou fè lan tombe nan de l'eau, c'est pas jam jou sal pourri. Ça veut dire que ou met bat chien, mou met tan met li. Parce que l'enfer avec paradis que n'a parlé an, li pa deux ni trois côtés, c'est sous terre que lié. L'enfer avec paradis que n'a parlé an, li pa deux ni trois côtés, sous terre que lié. Ça veut dire que l'on fait malin ou pas besoin qu'on l'autre bagaille. Ou a besoin ni là. Pas de l'autre côté qu'on pral joindre ni. Et ben Jovenel Moïse te dit li son zo poisson. L'ap koke nan gorge yo. Nan sens ça. Ça moi qu'a passé Joseph Michel Martelly. Que Jean-Gabriel Fortuné, moins qu'un mois après assassinat Jovenel, l'été bayon conférence de presse dans la cour hôtel Lyon, côté le mouri malheureusement. L'été dit, le président a été livré. Le président a été livré. Journaliste qui était présent, la conférence de presse là, yo te mandé qui est-ce qui parraine? Gabriel Fortuné te dit, nous tous nous connaissons parraine. C'est moun qui t'a cherché là pour venir porter au prince avec là. Eh bien, tout le monde te dit, c'est Joseph Michel Martelly. Gabriel Fortuné, c'était deuxième monde qui te prêté du doigt, Joseph Michel Martelly, après Stanley Lucas. Dans le dossier, assassinat Jovenel Moïse comme monde qui livrait président Jovenel Moïse. Et m'a dit ça pour jodi, pour l'histoire et pour la vérité. Toute sécurité qui t'a côté président Jovenel Moïse et même chauffeur président Jovenel Moïse, c'est Joué Joseph Michel Martelly. Peut-être qu'on va le dire bientôt, monsieur pas de maturité politique pour qu'il son n'a pas bataille politique comme ça, quelque part ou dit que ou pas dans pas scout ou en face Martelly quelque part, monsieur senti que et comme si m'ta du pouvoir politique li menacé parce que il était qu'on dit ensemble avant en 2022 pour remettre le pouvoir li, et ben quelque part li ouais que ou a fait des coups. Pour qui ça monsieur t'a quitté sécurité Martelly au bon côté. M'a dit tu as raison mon frère. Ou bien ma sœur, c'est son fils. Oui, Jovenel pas doué
quitter Dimitri Hera comme commandant en chef USGPN. Jovenel Moïse pas doit quitter Jean Laguelle Civil comme chef sécurité palais national. Jovenel Moïse pas doit quitter Amazon comme responsable Katim. Jovenel Moïse t'es supposé nettoyer palais national net et puis sécurité pal. Jovenel t'es supposé descendre dans grand quartier général l'armée d'Haïti pour aller joindre militaire yo qui admire ou parce que yo reconnaissant envers ou même parce que yo au fond bataille pour remettre camper institution ça que Jean-Bertrand Aristide écrasé en 1994 en 2017 quelques mois après qu'au fin monter comme président ou prendre décision ou mettre l'armée d'Haïti sous pied ou son qui gampil courage. Mais Jovenel t'es supposé pour 100 grains militaires mettre détache avec si ou pas de formation non ça nous capable les sécurité rapprochée rapide vite ou font en stratégie ou voyons 30 nèg al prend une petite formation rapide vite dans sécurité rapprochée et puis on 70 les mêmes pour gérer périmètre extérieur et puis périmètre troisième périmètre ou quatrième ou cinquième périmètre extérieur là ou va mettre des unités spécialisées dans la police pour gérer sécurité parce que ou pral mener une bataille côté que l'état a perdu 12 millions de dollars américains que Dimitri Vop tap volo chaque mois pour blackout. Ça c'est un. Ligon deal avec Joseph Michel Matéli qui pour près de 2 millions de dollars américains chaque mois. Ou décide de couper ça. Ça veut dire que ou fait l'état à rentrer 12 millions de dollars américains que négoté qu'on a volé. Si que ou fait l'état à rentrer 12 millions ça, maintenant ou ka dit tout clairement, si l'état t'a payé 12 millions avec conseil de voler pour blackout, pas de service là vraiment, mais si me fait l'état rentrer 12 millions, l'état pas dépenser comme ça 2 millions, ben me permettre moi-même comme chef d'état pour me sécuriser. Et mais poste là fonction niveau à dimension standard là comme si même si l'état 1 million de dollars américains par mois ou 2 millions de dollars américains par mois pour sécurité président. Parce qu'il est clair et l'on a le plus loin. L'argent ça, il devine plus toujours parce que gagne 8 millions de dollars américains dans EDH. Que c'est Dimitri Vob qui t'a le mettre directeur général EDH li pour qu'il gagne contrôle 8 millions de dollars américains dans le budget EDH li chaque année. Ça veut dire que comme l'on vit un total de 20 millions de dollars américains, l'on multiplie par 12, il bote 240 millions de dollars américains. OK, chaque année. L'on multiplie par 5, qui c'est un quinquennat, un mandat présidentiel 5 ans, il bote 1 milliard 200 millions de dollars américains chaque 5 ans. Chaque 5 ans président, on ti sans ave, on ti volant, on ti chien, on ti terroriste, on ti kidnappeur, on ti gang sale qui est le Dimitri Vob, a fait 1 milliard 200 millions de dollars américains pour blackout en Haïti dans l'état pays ça là. Chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Et puis nous pays pas gain courant, même l'ouest n'a pas gain courant. Est-ce que nous là, le président décide pour faire l'état, qu'il met toute l'argent ça pour le pas dépenser encore, eh bien minimum non. Ou supposez gen 200 nèg lourdement armé qui a bien touché, qui a bien vivre, qui a bien fonctionné, qui a bien roulé, qui a bien payé dans sécurité ou. Parce que ou a mené en guerre contre un système qui est extrêmement violent. Défaite ou doué metto en mode violent. Et l'État, c'est lui-même qui a monopole de la violence légitime. Li obligatoire, les que des assassins des criminels notoires, des volants, ok, un beau créole volant, cap volant comme l'État, dans la corruption, ok, dans contrat imbattable, pour organiser ou, pour que naturellement, le nec sa ou tente, pour que mette l'argent de yon, pour terroriser pays, hein, terroriser population, hein, pour foutre zam sou yo. Jovenel Moïse, te doit foutre zam sou Dimitri Vob. Jovenel Moïse, te doit foutre zam sou la famille Vob. Ou pas de supposer qu'il te tue ou. Et c'est ça qui peut faire mal chaque fois que je parle de président de la République. Là. Jovenel Moïse, pas de doué quitter nèg ça au tuyel. Ou te de mettre zam sou yo. Parce que l'État, il y a une prérogative ça. L'État, c'est le même qui a un monopole violence. Là. Le vagabond décide pour faire violence sur le président de la République. Ça veut dire que c'est pays qui menacé ou son terroriste. L'État de tuyo. Et moi, comme chef d'État, tout n'est crasé, mais t'as mouru. Période. Je ne vais jamais faire ça encore. Et pas jamais quitter mon prochain chef d'État dans le pays d'Haïti. Parce que nous ne pouvons pas exister pour nous faire ça. Je ne dis pas dans les affaires politiques pour être candidat, tout ça. Mais sauf que la bataille pour nous mettre des dirigeants. Nous ne pouvons quitter l'espace pour voler. Pas quitter mon prochain président de la République. Pour nous mettre dans la vie de menacer. Menacer pour eux, pour des côtés, vous écraser l'ampoule.
Un méchant trop. Un grand individu quand pour parler ou du tuer président ou pas vivre. Un proche président, me fait l'état frappe. C'est l'état fond en deux et tout le monde a connaissé l'état frappe. Sans avis. Vacabon. Chaque homme a dit bagarre, l'homme senti l'irrévoltant. Parce que assassin on est une condition pareille. Qui est famille. Ou gen vie. Ou décide de tuer. T'as qu'on vie animal sauvage. Nous humilier. Nous voulons un message, ben moi. Et moi, recevoir un message là. Je prends pour ça que lié. Je prends la dimension. Et dans ce sens, quel que soit le prix à payer, nous pas fait back sous lancer ça. Pas de fait back. C'est si garder l'anté. Parce que route que Jovenel Moïse a fait, c'était vrai chemin. Hein? C'est parce que nous, elle a privé à destination et depuis le rivé, pas de question monopole. Pas de question, c'est un tel qui a rentré magi, sucre, du riz, et pas de tomate. Pas de bagage comme ça. Tout le monde débouge l'argent ou qu'a fout fait importation de bouvler. Qu'est-ce que bagage décide pour importer plus passer 1 milliard de dollars américains du riz sur le territoire pendant que nous avons crasé la production nationale là? Ça n'a fini. L'État a géré ça. Car avant le changement, a géré ça. Nous tuer, président. C'est parce que nous, moun la tibonite, pral gen l'argent dans le département ça pral riche. On décide pour nous tuer, président. Défaite l'État, tap fan nous. On sans avis. On méchant. Nous criminels à l'extrême. Nous pral parler pays, peuple haïtien. Jodi an, c'est 22 d'août 2024. Moi content pour que moi dis nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté que l'heure ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi. Pour que m'ensemble avec nous sur la plateforme Panon, qui c'est la plateforme YouTube, Info, bientôt. Plateforme Maman Pemba, plateforme Pays Potéan, plateforme qui parle Péchaïlan, plateforme Cap Djenyéan, plateforme qui croit dans la bataille paysan, plateforme qui croit que c'est à travers le combat que nous avons mené là et que nous sommes capables de jouer justice pour le président pays, non? Plateforme qui fait que je dis à depuis une frappe pied à terre et m'a dit bravo, bravo, avec chaque grain haïtien et conséquent, cap tende nous, cap gade nous là, qui toujours partage émission ça, qui toujours commente émission ça, et qui toujours fait effort pour aider l'autre monde rentrer dans la famille ça, pendant que vous êtes abonné, ou même tout, si vous êtes tende, vous êtes gade, parce que chaque jour, ou pas abonné, m'a pas de rentrer dans la famille ça, parce que nous prêts pour nous arriver dans 200 000 abonnés, nous t'arrêtons pour que vous fait partie de monde ça, qui permettre nous arriver dans 200 000 abonnés, 200 000 monde qui finalement rentrer dans la grande famille ça, qui c'est la grande famille, Info Beto, famille Grand Nabouda, ok? Famille Kasson en Thaïlande, famille Papé en Yen, famille Boule de Fer, vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas jouet qu'il y ait rentré dans la grande famille Info Beto, c'est dit qu'on ne peut pas rien, c'est dit clairement, devise nous, c'est liberté ou la mort. Ok? Liberté ou la mort. Et maintenant, de chaque grand monde, de pouvoir monter en bas plateforme YouTube Info Beto, attendez émission, pas de l'autre bagaille pour qu'on écrit en premier. C'est comme si m'dadou ses salutations, elle l'a dit. Liberté ou la mort. Prends ça pour moi, mettez-le pour moi. Liberté ou la mort. Pas perdre du temps pour mettre ça pour moi. Liberté ou la mort. Vous chaque grand monde écrit ça dans l'espace commentaire là pour moi, tant vous plaît. Liberté ou la mort. C'est ça que lié et c'est ça que nous devons faire. Liberté ou la mort. Maintenant, dossier qui d'actualité a nous connaît déjà, c'est sanction OFAC, qui c'est en général les États-Unis d'Amérique qui sanctionnaient président par accident pays d'Haïti, hein, qui c'est chef gang tête calé Bobislan. Yore le Mikia. Dossier ça, c'est lui tout le monde a parlé de lui. Mais ça, pour que nous connaissions, chef gang tête calé Bobisla, nous te yote getan préparation kap fait. Yab joué bal bam banou information pour pays. Alors, dans le moment où nous parlé là, yon fait nous connaît que, et Premier ministre Gary Koni, dans la ville Cap-Haïtien.
dans la ville Cap Haïtien, et monsieur gen pou l'al visiter des espaces dans le nord et nord-est. Mais n'a gardé cigare koni pas pour aller dans centrale électrique Saint-Philomène Cap Haïtien. Centrale électrique ça que président Jovenel Moïse t'est installé dans Saint-Philomène pour te bailler Cap Haïtien courant 24 sur 24 là. Entendez monsieur, c'est des centrales privées que le pral visiter. Ça veut dire que Gary Koni là pour garantir intérêt secteur privé. Des oligarques corrompus, des volets gang sales qui impliquaient dans touyer président Jovenel Moïse. Bravo avec Gary Koni. Tôt ou tard, peuple a fouton bois calé dans tête pays, zami, mais c'est volo à voler quitter pays. Un bon sans avis parce que moi que son équipe choule que nous reste avec que nous, c'est que ce baga haïtien, nous baga ça dans nous même. Nous bluffons, nous baï menti, nous prend peuple pour imbécile. L'État investit toute l'argent ça. Donc faut tuer président pour lui, qu'on va venir assurer que ou va gérer internet. Ça veut dire que ça l'argent n'est que dépensé dans tout le président. Ou va venir make sure que pour n'est tirer dans tout domaine que président est bloqué. Pas de problème docteur Koni. Ou son garant pour protéger le système non. Continue pour se bourrer ton garçon. Si Jean-Claude Duvalier t'es volé qui Haïti, c'est pas ou même qui va voler qui Haïti sans que puis pas toucher tête. Ne pas bêtiser avec monde comme ça, dans niveau bêtiser là. Et nous pral parler du dossier chef gang tête calé Bobislan qui c'est président pays par accident pays d'Haïti que États-Unis sanctionné, Canada sanctionné, Nations Unies sorti rapport sur lui, li bay 1 2 3 4 détails sous âme que volo sa bay dans tout petit coin dans pays d'Haïti pour armer des jeunes garçons, pour touyer moun, pour kidnapper moun, pour tuer moun, pour violer petite moun, pour tuer femme enceinte, pour tuer ti moun qui va à l'école, tuer ti bébé dans votre femme parce que m'a regardé pour moi, gon femme enceinte qui te prend balle dans ventre. Fi a mouri, ti bébé a pran balle là, ti moun n'a pas mouri. Monsieur dame, ça ou c'est des crimes non dimension tête chargée que yoyé. Et c'est tribunal pénal international, la cour pénale internationale qui peut juger assassin ça yo pour crime que nèg ça ou fait. Nèg so bay zam nan pays an pour tuer tout moun. Et puis al vivre bien à l'étranger. Jodi an, faut États-Unis mette mateli dans l'insécurité. Mette monsieur retirez monsieur dans la zone de confort li. Monsieur toi à l'aise. Monsieur à l'aise. Ou il m'tende. Monsieur dit, ou il programmation la continue. Bali a joué. La Boston, Massachusetts, dans le carnaval. La New York, dans le bordé. Dans le week-end, le bordé. Cap vini 1er septembre, cap vini là, New York. Ok. La paix. Qui côté ça? Joseph Michel Mateli, ou a fout paye son fait. Sans ave. Gang sale, criminel, assassin, méchant. Kote ti volo a? Kote ti volo a? Kote li? Meni, meni petit vol. Et ou même. Ti chien kotoye, kokorat kotoye, ti volé. Le ti volé, ça que t'as ramassé tout vieux comme si m'dadjo, et ti poudre blanche, même si l'te kaka pour li prenne fouille dans ton nan. Ti volé, ça pas, c'est président par accident. Et malheureusement, c'est États-Unis qui fout volé sa président dans le pays d'Haïti. Ti chien ça. C'est ça que je dis, pour yon capable récompenser nous ça, après tout dégât ça, faut être à foutre premier, monsieur, pan ni. Au moins, on a dit qu'on ça nous tire, au moins, ou comme si, franchement, après tout dégât. Après tout dégât bah la grave mais comment États-Unis a fait nous et blier bah comme ça bah la grave mettre là oui les nous content yo fâché les fâché nous content les nous content yo fâché ça veut dire y a passé nous dans bêtise y a joué avec nous et bêtise avec nous oui comme si on jouait sur nous on est monsieur ou al chercher ya monsieur moi veux ici comprendre ça veut dire you nèg ou al chercher un paysan la kaili qui dans domaine agriculture. Le misal jeune Jovenel, le misal jeune ou. Pi kwa manchette bon côté Jovenel, nan tête mon côté lié ya. Jovenel, c'est question jardin que l'tap réglé. Monsieur dame. Ou décide ou en egle ensemble avec paysan, de manière stratégique ou choisil, parce que ou elle gon discours gon côté l'vlale, ou tande li, ou décide c'est lui choisi comme candidat à la présidence. Et ou impose l'avec secteur polan, parce que oligarque pas de vle Jovenel. Madame ou pas de Jovenel et les qui conseillent mi pas de Jovenel les comment les Kaoli pas de Jovenel vous comprenez et bien, ou t'es imposé Jovenel le dit nèg yo Jean Pep ça pas vle nèg rouge là après ça nous tout fait là si nous pas pour tenir tête même j'avais yo nous pas ka gagner la présidence là et bout arrange ou nous t'es fait aucun ça nous t'es prendre responsabilité nous t'es vina Jovenel là nous décider dès le début pour demander toute qualité bagaille net pour commencer si hein l'nouvelle elle commencer réfléchir pour répondre nous décider dit nous pas accompagner la question bagaille campagne nous aider nèg yo crason élection
Li prend courage à deux bras. Li style a fait campagne même si équipe PHTK t'a lagué le coup de la route. Ablié. Dans première élection, équipe PHTK t'a lagué Matéli. Était lagué et président Jovenel. Yo lagué monsieur. C'est le privé vinn prendre la mayol, décide d'écraser, remettre équipe sous pied pour une élection. Et ben le ça, Jovenel tellement pas capable de sérieux et n'a regardé ouais Jovenel Moïse a fait monde toute province sur le côté. Et ben équipe Matéli a reconnecté encore pour rejoindre Jovenel Moïse au coup de la route pour accompagner les boulos oligarques pour paquet gros volo. Yo vinn accompagner Jovenel. Le cyclone Matthew dans grand sud pays oligarque yo bay bateau tol bateau ciment bateau fer bateau diri bateau bois de pacat pour yo bay dans sud ça yo c'est des gros l'argent qui yo te bay c'était et pas Jovenel qui yo te bay la présidence li parce que yo connaît ou pral gagner élection depuis yo gagner élection yo pral tirer l'argent yo et même ça yo te fait pour Jovenel là yo fait pour Jude Célestin tout yo fait pour Jude Célestin tout parce que c'était deux potentiels candidats qui étaient sous qui étaient mieux placés pour te remporter l'élection même si t'es yo style t'a bay Moïse Jean-Charles Cob. Mais vous êtes bien connu que Moïse n'a pas gagné l'élection. Vous êtes bien connu que Ménex n'a pas gagné l'élection. Et bien, dans ce sens, vous avez dit clairement, c'est Jovenel avec Jude Célestin, c'est Ménex qui a investi plus d'argent. Et bien, Jovenel est venu organiser pour que, naturellement, lui prenne courage dans les bras et finalement, vous êtes voté, vous êtes élu. Avec une bonne voix, Ménex a retiré et éliminé. Finalement, vous faites monsieur Vin élu avec moins que. Moins que 600 000 voix. Sous près de 6 à 7 millions moun nan population qui a l'âge de voter, nèg yo fait président élu à moins que 600 000 moun. Et nous connaît quand c'était élection, comment le la population vin peur, vin gen violence annoncé, moun vin peur. Et bien, Jovenel Moïse gen dès le premier tour. Monsieur remporté élection. Et bien, dans ce sens, ça vient un véritable cauchemar pour la classe politique traditionnelle haïtienne parce que yo que c'est Jocelyn Privert pardon qui fait élection hein? Et puis même élection ça Jovenel Moïse remporte élection nèg yo a posé cette question qui ça doit faire qui ça passer et ben t'es gagné et oublié non Jocelyn Privert pour l'indimité Vobri Laval la suite li font élection. Eh bien, élection qu'elle fait, Jovenel vient gagner le nom. Pour première élection que Matéli fait, Jovenel est dans deuxième tour avec Jude Célestin. Sa privé vient faire, Jovenel gagne. Ça veut dire que Jovenel gagne et qui gagne dans propre élection qu'elle fait. Jovenel ne vient pas qu'à changer le résultat de l'élection. Jovenel gagne dès le premier tour. Jovenel prend investiture dans le palais national 7 février 2021. 7 février 2021, Jovenel prend investiture dans le palais national. OK? 7 février. Alors, 2017, pardon. 7 février 2017, Jovenel prend investiture dans le palais national. Et côté que, li, alors, après le soutien dans le Parlement, il est venu, il célébrer avec tout le monde dans le palais national. Et côté que, il est venu faire un gros discours avec la nation. Hein, et remercier tout le monde qui a voté et tout le monde qui n'a pas voté. Et remercier tout Haïtien en général, comprenez qui est dans la diaspora. Mais c'était ça, image à l'époque, c'était dans le Parlement, ok, je vais montrer nos images dans le Parlement, c'était comme ça qu'il était, Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, prestation de serment, on a regardé Garibaldi était là, à l'époque, c'était toute équipe ça, qui était là à l'époque, le que président Jovenel Moïse, met en paquet, Naouma Selis, ok, et gon paquet, qui là, gen ancien sénateur, et chéri ben Dieu puis gagne nexa comment nexa te écrit mon lèwi oui on m'a dit et n'invite l'homme pas mon parle m'dit vite invite l'homme si mon parle n'invite l'homme te sécuriser espace quand on fait caille à tonton comment elle encore cantave et mais bon mes amis matériel et l'autre partenaire bon nexa qui était sud moi elle vient et comme si l'école plateau central nexa c'est château c'est coupé mon c'est château l'a investi dans plateau central. Ça veut dire Hervé Foucan quitté département sud Gounia moi monsieur c'est plateau central zone Lascarobas moi la Gounia. Et là monsieur l'habité, il s'empile en pile l'argent qu'a investi l'autre bois. Il dit monsieur mettez le plus près frontière là, plus près frontière et on gain piste atterrissage tout quelque part qu'a construit, on connaît zone l'autre bois. Oui le Joseph te dit non paquet de bagaille. On connaît déjà. Nous pas besoin là et pas sa émission. Et gon paquet ça veut dire que c'est les sénateurs, nèg qui tout des noyaux c'est sénateur, nèg qui tout des blancs c'est député. Comprenez? Mais quoi, mais grand quoi? C'était quoi malfaiteur, quoi criminel, quoi assassin, quoi volant, quoi gang, quoi méchant.
C'était ça que vous étiez à l'époque. Eh ben, mais, vous avez gardé là, je ne j'ai dit un peu pas ici. C'est ça, c'est extrêmement grave. OK? Et c'est de barrer tête chargée. OK? Et même devant nous là. On garde vidéo là. On garde le toujours. Pendant que, n'a pas fait parler. Mais, et c'était parents Jovenel, au gouvernement, et tout le monde était présent. Mais, les matéli. Mais, yo, c'est gros causé. C'est gros causé, c'est gros bagaille. C'est matéli. Tête calibobis là. C'est madame ni, gros gaganan. Oui, grâce à Consoud, ça lui même, il comme s'il prend pays d'Haïti, il faudra dire banque bolette, il y a les suites Mikia, côté que Marie Lab descend pantalette, un gouillet sous moun, 10 bêtises sous moun, fait toute qualité bagaille sans avoir sous moun. Madame Salim même, c'est rançonné, la rançonné l'argent, la encaissé l'argent. On sait où elle va faire, mais je dis, et pour prendre sanction contre la famille Matéli, c'est ça pour au fac fait. Contre la famille Matéli, pour foutre bloquer à 40 tout malpropre, tout volo, yo. Parce que Matéli, t'es qu'on est là pour tomber dans le show. Il va quitter ton dollar sous non. Tout coblé ap sou non ti moun ni yo, madame ne sou non moun ka ou koblé ap ye. Lèl vin nan Miami la, nan, comment il est nan downtown Miami, li vin nan bank. Ou el avec ti monsieur yo? La avec ti monsieur yo. Li vin nan bank royal yo, gopon sa met joulan, se vin jere, comme si y a préformation nan ki so bagay, et finance pou ayer, comment ka ayer, 3, 4 millions, 5 millions, 10 millions, c'est gros l'argent. Gopon men, c'est gros kob, c'est gros loloy. L'oye ou la, c'est gros bagay. C'est des multimillionnaires qui oye. Mais soudo qui est? Soudo ou même comme malheureux Caprile. Vive Matéli! Vive Matéli! Salope sale. Vive le vive Matéli. Vive quoi pété fiel ou Haïti. Ou pas ka manger. Ou pas kout zam gang. Ou pas ka fonctionner. Ou pas kout zam gang. Ou pas ka bouger. Ou pas kout zam gang. Ou pas vine le vive Matéli. Sans honte senti. Sans senti ma kote nouye. Vine rense nan tête moun. Ou nek mette zam. Ou fout tout yo comme pep. Ou vine rense avec nek sa toujours. So, et bon, sans avis néglaé, sont criminels que lié, oui. Mais voilà, sous écran, oui. Au bon moment, ça c'est le jeu de Moïse qui a prêté ses mains, en dedans parlement. Ça veut dire que, et voilà, ça t'est là. Sans avis, ça t'est là. Criminel, ça t'est là. Et c'est ça qu'on a regardé là. Le ça, il est en parfaite harmonie parce que, pour, il était considéré Jovenel comme propriété privée, yo. Jovenel, il veut président, il a still gain pouvoir. Et après Jovenel, il a décidé pour gain pouvoir encore. N'importe qui genre. Même si le peuple n'a pas choisi de voter, faut Jovenel te fait tout ça qu'il connaît. Fait 6 tourner 9, fait 9 tourner 6, fait 0 tourner 6. Au moins, pour être capable de mettre le président. Et ils sont enfants gâtés, ils sont petits volants. Moi-même, l'État t'a foutu frappe ou. Parce qu'on n'a pas violent que l'État. Au lieu de tuer, nous, tout ça va taper la même. Au lieu pour m'ta mourir comme chef de l'État, en vérité, bon Dieu, tout nek sa ou avec femme sa parap la même. Parce que pour pays, y'a m'ta pris son exemple. M'di nou gren bagay. Nou jen trop moun dou. Yo jen nou tolérant. Et ça cause en pile nan nou comme sans ave. T'ap rele. Et François Duvalier, assassin, criminel, dictateur. Pour moi, si c'est comportement ça, m'vraiment vraiment désolé. M'toujours toujours dit li. Par rapport avec moun qui te victime innocemment, sous régime, et papa doclan. Ça veut dire que mais malfaisant yo, malveillant yo, vacabon yo, assassin yo, moi je crois que fuck yo te victime. Et l'État toujours t'a doué mettre en niveau pour qu'il frappe moun sa yo, parce que gon équipe sans avec criminel assassin gang sale. Vous comprenez moi, nèg ça pas doit vivre ce monde et l'État doit créer toutes conditions on sans avec comme ça. Ou al chercher nèg la Kaeli comme président. Madame ouvert bec li pour dire que oh oui Jovenel Moïse propriété privée. C'était madame, et comment elle encore, comment elle s'appelle, belle dame, oui. Et dame, ça t'es responsable de la son public, oui. Et non, mère, dans le cabinet président Jovenel Moïse. Et c'est madame Libéris, oui. Dame qui est très formée. Moi, on ne sait pas, on ne doit parler mal de vous. Quand ça arrive quelque part, situation, on fait bac, on fait retrait. Donc, une situation payante pour protéger tout. On dit, j'en bagaille. Mais pas tout le monde qui est capable de braver le danger. Mais moi, je connais position mon saillot. Je connais position mon saillot clair. Par rapport avec le président Jovenel Moïse, c'est le monde qui me comprend. Vous comprenez? Et comment elle est encore? Esther Antoine, je vais profiter de me saluer. Esther Antoine, libérez tout. Est-ce que vous avez dit, c'est pour nous qui est violent, c'est pour nous qui j'aime dans des vents. Libérez, c'est pour nous qui a toujours travaillé dans le cabinet, c'est pour nous qui était dans, est capable de dire conseil des ministres, secrétaire général conseil des ministres, Guichard Doré. Comme si nèg sa aussi ou nan pouvoir collaborer avec pouvoir, moi même pense que m'pa di n'importe bagay de yo. Parce que tout moun pa même ou capable moun nan peut-être gen droit ça tout. OK? Claude Joseph ou doit peut-être pas capable donner Claude Joseph. Mais m'pense que gen des actions que t'es posé 2-3 jours après assassinat Jovenel Moïse, si que jodi a gen nous gen des indices nan men nou, nous gen des bagay nan men nou, m'pense que Claude Joseph son moun n'importe qui j'en capable dit faut me féliciter monsieur. Mais après quelques temps on a dit Claude Joseph décide pour le collaborer avec même assassin président Jovenel Moïse. Ça veut dire que faut être très prudent avec conseil des nègres dans premier des machos. Et après au coup de la route nous connaît que ça que toujours pas qu'à faire route loin avec monde qui pas gain conviction au moins
il faut prudent parce que les câbles la blague ou tu as des problèmes. Mm-hmm. Et ben m'a dit donc que laisse à Jovenel Moïse, c'est son chouchouleté, il était fraîche, fait vini jour et installationné système nan da, tout système nan d'accord, tout système nan DL tout, le fait nous comprendre ça. Tout système nan TDL, mais gon gren nèg qui était paniqué. Les vob de paniqué. Mateli dans un premier temps pas de problème. Parce que ça qui passait le Jovenel Mateli était commencé questionner Dimitri Vob sur le courant. Mais après pression Mateli en vinn pa kakembe. Nèg yo tellement frappé Mateli, Mateli obligé faire premier ministre li démissionner. 12 décembre 2014, à l'époque c'était Laurent Lamotte. C'était dossier courant oui qui était jeté la mode. Et je veux dire si gon moun que système ça pipe en Haïti qui était dans l'équipe Mateli, li rele Laurent Lamotte. Si gon moun que système nan peur. Malheureusement qui sanctionné par les États-Unis d'Amérique, li rele Laurent Lamotte. Si gon moun qui te ka fout dégain pi système ça dans tout sens. Li rele Laurent Salvador Lamotte et me dit ça me dit non me gen garantie sur lui. Si vous êtes capable de démanteler les dégâts du système, parce que M. Koun vole, M. Koun stratégie vole, et M. Koun qui j'en pour le foutre dégâts du vole, et vous pas intelligent que M. Koun pas m'en faire que M. Koun, M. Koun fout dégâts du nègre, et M. Koun connaît que M. Koun pas vle yo, et de fait, yo pour façon, yo fout mettre M. Koun à distance. Yo ferme bouche, M. Koun. Et puis, gros vole, yo sou moun. Classe vole politique sou moun. Et bien, sans avoir ça, lui-même, je dis, hein, li yo obligé pour aller gen babouket nan joli. Dernièrement, la moelle m'a enragé, ou une tante de ces musiciens liés, il y a une différence entre Joseph Michel Mateli, le président de la République, politique là, Ronmen, et la grande différence qui gagne entre Sukmikia et Mateli. Qui est-ce que qui est-ce que attention, même Mateli qui a fait parler pour trouver le président Jovenel Moïse là, et bien même Bouchli a parlé pour venir jouer musique pour Doubetis là. Attention, elle supporte Mateli ou qu'elle supporte Isoto. Elle supporte Mateli ou qu'elle supporte Tila Plito. Elle supporte Mateli ou qu'elle supporte Lamo Sanjou tout. À supporter Mateli, on met voyer n'importe les ils ont fait un programme village de Dieu, on met faire promotion pour lui et puis elle joue pour lui tout, elle danser, elle prend plaisir, boîte à faire ensemble avec elle, même j'avais un paquet de femmes gang qui la gagne dans pays, cap collaborer avec gang qui demandait pour foutre bois caler grain pas grain dans pays. L'important. OK? On pas bêtiser avec une équipe sans avoir volé sans guiné. Faut que l'état prenne des dispositions. OK? Pour le frapper volo ça yo. Parce que situation que n'a vivre là, nous pas capable quitter. On c'est des vagabonds criminels assassins continuer à bêtiser ce monde toujours. Faut que l'État prenne des dispositions. Eh, madame, ça ouvre le trop sur l'écran. Eh, ou pas rapide, ou pas, c'est moi. Eh, sans avis, m'fout bouchon botte tout. Eh, moun sale contre eux. Eh, maman vole, oui. Eh, ou pas prendre plus espace, passe moi. Prendre plus espace, passe moi. Comme si m'bagay. Eh, ti vole, oui. Eh, gratte à concours et cochon. Maman cochon. On a mis du là. Et nous, l'argent paye, on tifle comme ça. Vole, maman gang contre eux. Vole contre nous, oui. Une rancée. On met, eh, madame vole, c'est vole. Madame vole, c'est vole. On met, a foutre volo ko payan tourner suite mi ki pou nou ben sans ave la vini ou passe moun ka peur yo ou passe ka touye tout moun avant rien comme si ou ka activer gang yo la pour touye pour touye la justice américaine a foutre nous tout en batè nan prison en bas de l'eau même ben criminel on était président ou ba zam avec des jeunes garçons nan propre pays kote besoin le président encore qui sont kon zam nan fait c'est détruit mais nous ba li pour capable faire avancer agenda politique nous pour ka gagner élection ben méchant. Un terroriste côté nouyé, un gang politique, un assassin politique, madame gang, papa gang, madame gang, mari gang, tout ces volos, un méchant, un criminel côté nouyé. Nous choisissons les glands. Et puis nous mangeons de manière sauvage, en façon pour nous faire haïsser peur, pour nous faire tout le monde frustré, pour nous faire tout le monde paniquer. M'a dit, nous, monsieur, nous recevons ce message-là. Et nous prenons exactement pour ça que lié. Nous prenons la dimension. Et nous jugeons avec nous, sous quelle que soit forme. Et Haïtien juge avec nous, quel que soit forme. Parce que le crime que nous faisons sous pays, sous peuple, il n'est pas capable d'être impuni. Quel que soit gens, ça y est, ça pas être impuni. Parce que nous sommes criminels, nous sommes assassins, nous sommes méchants avec tout ton peuple. Un petit volant côté nous, un sans avis, maldit à Konyo Mateli. Le diable Konyo. A salos côté, facabon. Même en espagnol, je joue dans toute langue net, petit volant. Et mais ça qui passe là, peuple haïtien, sans avis, ça que nous avons gardé sur l'écran. Vous comprenez? OK?
Malekong ça que n'a regardé sur écran. Ah oui, Malekong parce que il est là lui-même et tout comme si toute partie derrière lui, il percé lui, au moins, et pas bon monde qu'il y a. Et ti volo ça, eh ben mon cher, il dit mon dernier il y a cela. Luis Abinadel, moi je me félicite. Oh, Abibi mon Abi. Oui Abinadel, là monsieur n'est pas. Oui là, Abinadel moi pas une pièce pour le avoir. Moi même monsieur là. Abinadel dit que le pape va recevoir monsieur. Mais c'est la nouvelle là. Vous connaissez que M. Pape Carité États-Unis? M. Pape Carité États-Unis. OK? M. Pape Carité. Parce que États-Unis d'Amérique, quelque part, dans ça que le fait, il n'y a pas fait dans la dimension qu'une ville. Mais il a fini avec M. step by step. OK? Pas oublier M. Américain. Il a fini avec M. step by step. Mais je connais que il n'y a pas sanctionné drug dealer. Il n'y a pas arrêté drug dealer. Mais comme moi, il a pris sanction contre Hervé Foucan, il a parlé de drogue. Yo prend sanction contre Ronnie Celestin, yo parlé de drogue. Yo prend sanction contre Joseph Lambert, yo parlé de drogue et moi yo pas arrêté yo. Ça veut faire que ben pas besoin parler trop fort pour dossier arrestation Matéli. Mais arrestation et me capable dit sanction Joseph Michel Matélia, il passe dans une dimension extraordinaire. Ça veut dire que jodi an monsieur limité complètement. Et jodi an on a quitté qu'on a utilisé monsieur pour jouer balle pour blanchir l'argent pour lui ou pas faire ça encore. Parce que yo diou il y a pour tracer quel que soit moun qui dans transaction l'argent avec quel que soit bagaille avec monsieur business soit de bagaille là on va le dire monsieur qui pas pour Matéli les manager bail l'argent pour eux ou son promoteur bail 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 Matéli l'argent pour eux après ça sorti pour comment on va vivre États-Unis bail li n'a fout blanchir l'argent pour voler animateur vicieux prend cop dans mais n'a plaide moi m'espère que tout nèg prend ça comme leçon. Ça qui arrive, nous te peur, nous te prenons l'impression. Mais si je dis, la justice américaine mette gros bouton en vérité ça dehors, et au bal limite li, ou même ou je vais prendre distance ensemble avec elle. Et c'est pas fort tout. Ou gen tête ou gen vie pa ou gen petite ou gen famille, pas le quitter sans avoir sa salou pour dégouder. Il y a trop de possibilités pour nous vivre, il y a trop de moyens pour nous organiser pour vivre, éviter pour pas rentrer dans un sac malhonnête pour vagabond, pour criminel, pour gang sale, qui te dans tout le président Jovenel Moïse. Eh bien, next ça, vous regardez là, yo font pile en pile l'argent. Et monsieur pas jamais suspend fait cob. Souga reconnu la monsieur still a fait cob parce que la vente ministère, les gars ministère qui au Bali, il a vente Haïti tout nos business. Là au gars ministère qui a vente tant qu'ou pas t'es chaud. Et bien dans sens ça, en pile pas on l'a parlé. Par le fait que les dossiers après dimension ce qu'il prend là, on est qui journaliste en pays d'Haïti, quelle que soit relation qu'on gagne avec on vole dans pays, de fait ou supposé parler. Et bien dans sens ça Gary Pierre Paul Charles j'ai dit GPPC. Gari, pas un intérêt, mais qu'on s'en longtemps, monsieur. Série m'a dit nous là, hein. Ouais, Gari, tu es là, pas un intérêt, mais qu'on s'en longtemps. T'as dit Gari, papa, men. Longtemps senti. La Gari, qu'on a frappé la valasse. Oh, Gari. Père du Gari, ça. Nous prenons le temps de une intervention que GPPC, dit Gari, Pierre-Paul Charles, fait sous dossier arrestation. Et chef gang Galil là. Moi me dit nous ça très bien. Pas des amis encore et nous songe tes petites photos, petites vidéos, des jeunes ne pas capable mettre elle. Avec table jeu football li avec Sweet Mickey avec chef gang Galil là. Et dans Florida, dans Miami Florida. Vous savez nous toutes petites vidéos. Nous te wali. Vous comprenez? Nous te wati vidéo. Eh ben dans sens ça et Gary Pierre Paul Charles après que la justice est capable de dire, et bureau ça, qui c'est OFAC, qui est les affaires et étrangers, et qui gagne bien extérieur, qui louche tout, et bien qui gagne pouvoir pour sanctionner les voyous, les volets, gang sale, on a mis du leur cap volet, fait tout qualité ça malhonnête, et bien naturellement, papa, Caribe Pochal parle, rete, moi-même ça, moi-même pas capable parler. Et me dit plutôt me partager ensemble avec nous. Nous prenons le temps d'intervention. Gary Pierre Paul Charles. Yon zami pour Joseph Michel Matéli parce que sou kon yon football avec on nèg sûrement on a équipe li ou ses amis. Gary Pierre Paul Charles mandé. Gary koni. OK? Il mandé Gary koni pour que li prend des mesures pour que li arrête Matéli.
OK? Et t'as le goubaye là, oui. Goubaye là, pas fin trop clair. Mais monsieur, ma banou quand même. Ça me dit que c'est Gary. Moi, ça Gary Père. Vous comprenez ça Gary Père? Vous comprenez ça que et Gary Père pour le Charles Père. Mais ma baye peuple à li Gary. Pas inquiéto. Et pas inquiéto. Son Père, ma baye peuple à li. OK? Son Père en Gary, pas inquiéto, ma baye peuple à li. Nous te gete en prenne. Vous voyez moi? Nous te gete en prenne Gary. Et pas inquiéto Gary. OK? Voilà. Voilà. Nous prenons fort en dé. GPPC, dit Gary Pierre-Paul Charles, qui fait intervention ça, qui est extrêmement important. Et bon, Gary, il est tellement chaud, Gary dit les vidéos. Dit Gary, pas peur, mon cher. Au fond, belle intervention. Entendez, intervention GPPC, dit Gary Pierre-Paul Charles. Entendez ça. Des États-Unis contre l'ancien président Michel Martelly et d'autres alliés influents du parti haïtien. Tête calée Bobis. HTK. Ont secoué la scène politique haïtienne et provoqué la peur panique au sein des secteurs mafieux qui avaient bénéficié et profité pour s'enrichir illicitement au cours de la mandature du roi. Aïe, aïe, aïe. Du compas Michel Joseph Martelly. Ces mesures visant à lutter contre la corruption et les violations des droits de l'homme marquent un tournant décisif pour la démocratie en Haïti. En avance. Face à cette situation, Edgar Leblanc, président du Conseil présidentiel de transition, ou coordonnateur, mais responsable de l'OPL, allié fidèle et inconditionnel du parti haïtien Tête Calée, et Gary Conny, chef du gouvernement, doivent adopter rapidement une posture ferme et proactive pour restaurer la confiance du peuple haïtien et envoyer un message clair contre l'impunité. Les sanctions de l'OFAC contre Martelly et d'autres figures proches du PHTK, telles que Ronnie Célestin, Joseph Lambert, Yuri La Tortue et Hervé Foucan, ont des répercussions profondes sur le paysage politique haïtien. Ces élus, autrefois puissants et influents, sont désormais confrontés à des restrictions sévères, notamment, pour la plupart, le gel de leur avoir et l'interdiction du voyage. 107.7 FM. Ces décisions visent à affaiblir leur emprise sur le pouvoir et à encourager une gouvernance plus transparente et responsable. Edgar Leblanc, Darius, maintenant en tant que président du CPT, malgré ses relations privilégiées, j'ai bien dit privilégiées, avec l'ancien président sanctionné, doit jouer un rôle crucial dans cette période de transition. Il est impératif qu'il prenne des mesures pour montrer à l'international et surtout aux alliés américains qu'il a compris le message et qu'il va agir en homme d'État. Leblanc doit également collaborer
étroitement avec les autorités américaines pour assurer le suivi des sanctions et veiller à ce qu'elles soient appliquées de manière équitable et efficace. Un message à Gary Conyer, en tant que chef du gouvernement. Est-ce que Gary Conyer est capable Marie Matéli? Et c'est ça, bagalaye. Nous, c'est petit même. Et c'est Cabri Tomazo, même Plimay. Et même, on y a regardé. Comment on connaît la privée? Conny ne peut pas rester les bras croisés. Jamais. Face à cette décision de l'OFAC. Gary, vous entendez? Vous ne pouvez pas rester les bras croisés face à cette décision de l'OFAC. Mais Gary doit prendre des mesures. Gary Pierre-Paul Charles fait intervention ça hier, qui était 21 d'août 2024. Là. Côté que il parlait clairement avec le premier ministre Dr. Gary Conyer. Il dit que garçon, vous devez assumer responsabilité. Vous devez faire un choix. Ou pas carité bois croisé. Et choix, c'est pas l'autre que automatiquement, vous avez déporté, vous retirer nationalité, dénationaliser, vous ne connaissez pas comment l'a fait, pour vous foutre la code. Bientôt pour déporter en Haïti ou doit foutre la code. Est-ce que Gary Conyer est capable de passer à l'action? Parce que Gary Conyer, tout le monde connaît que elle a pas fini trop clair. On dit là, elle a pas fini trop clair. C'est ça et bagalaye. En avancé pour entendre Gary Pierre-Paul Charles toujours. Concrète. Pour renforcer les institutions démocratiques et lutter contre la corruption. C'est-à-dire ou pas qu'à bail, on est un poste ministériel, et on connaît ses vannes ni pour l'argent. Ou pas qu'à bail, on est un poste ministériel, on connaît que c'est comme l'État, il va le détourner, Gary Conyer. Il va le détourner. Maintenant, le chef du gouvernement, Gary Conyer, doit créer une commission d'enquête indépendante pour suivre l'application des sanctions de l'OFAC. Parce que l'essentiel pour Gary Conyer fait ça. Cette commission pourrait travailler en étroite collaboration avec l'unité centrale des renseignements financiers, UCREF, pour identifier et poursuivre cette catégorie de sanctionnés au regard de la loi haïtienne. Suite à cette décision scandaleuse et avilissante qui a rapport à certains élus riches et influents. Les autorités haïtiennes doivent adopter une approche proactive et transparente pour répondre, comme j'ai déjà dit, aux sanctions de l'OFAC. Il est crucial, Conny et Gardi, de montrer au peuple haïtien et à la communauté internationale que Haïti est déterminé à lutter contre la corruption et à promouvoir la justice. C'est ça. C'est ça. Il faut, dans cette transition, prendre certaines mesures pour éviter de pérenniser ce système qui produit des élus corrompus. Il faut investir dans le renforcement des institutions judiciaires et de lutter contre la corruption pour garantir leur indépendance et leur efficacité. Il faut mettre en place des mécanismes de transparence pour surveiller l'utilisation des fonds publics et assurer la responsabilité des fonctionnaires. Il faut travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour bénéficier de leur expertise et de leur soutien dans la lutte contre la corruption. Et ça. Finalement, il faut lancer des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les dangers de la corruption et encourager les gens à dénoncer les pratiques illégales. L'UCREF, dès aujourd'hui, doit jouer un rôle central dans la mise en œuvre de ces sanctions. En tant qu'unité de renseignement financier, elle doit surveiller les transactions financières suspectes et collaborer avec les autorités nationales et internationales pour identifier et poursuivre Nexayo qui détournait l'argent de l'État. Voler ça. Sanction OFAC contre
le chef suprême et populaire du PHTK, représente donc une opportunité unique pour Haïti de tourner la page sur des années de corruption et de mauvaise gouvernance. Claire. Edgar Leblanc et Gary Conny ont la responsabilité de saisir cette occasion pour renforcer la démocratie et restaurer la confiance du peuple haïtien. Mmh. En adoptant cette approche, ils peuvent envoyer un message clair que l'impunité ne sera plus tolérée et que Haïti est déterminé à construire un avenir plus juste et plus prospère pour tout citoyen dans le pays d'Haïti. Conny et Gardier Leblanc, si vous pas agi, vous pas même besoin de continuer à hériter dans le pouvoir. La bio. Parce que c'est un espace yon ouvert pour vous, pour vous agir. Pour vous mettre la justice haïtienne en branle. Pour vous garder pour vous, l'argent que vous avez détourné en Haïti. Parce que, pas oublier, non, je viens de parler de la catégorie des sanctionnés. Vous avez ces visas retirés. Vous avez ces dios dans la gang. Vous avez ces dios dans la gang. C'est parce que vous avez des business, et je ne les protège pas, hein. Il y a facilité business, yo. Même gens, gen qui propriétaire camion, pour yo passer, faut qu'yo paye. Faut qu'yo paye. Ou pas qu'a dit yo, pas fait, parce que si ou pas fait, faut ou même l'État, ou te garantit sécurité. Parce que sinon, personne va te parler, non. Quand tu m'as parlé, je dis, là. Mais gen des, qu'on connaît, qui fait drogue, qui utilise gang pour assassiner petit peuple là, qui baille gang l'argent. Nèg sa yo, yo rive sous pouvoir. Yo magistrat, yo député, yo sénateur, yo premier ministre, yo président, nous fait comme si normal pour nèg qu'on ça arrivé sous pouvoir et puis nous parler de popularité, nous pas faire rien. Nous pas faire rien. Donc, si Gary Conny a gardé le bleu pas fait rien dans ça. Jodia n'a pas le même type de candidat, n'a pas le même type de... Même gouvernement, n'a pas toujours le même pays. Même théorie. Je dis, malgré les affinités et la proximité dangereuse de Gardier Leblanc avec l'ancien président, Gardier se droit aujourd'hui de se montrer homme d'État. Qui côté? Comment homme d'État? Gary Conny. Qui vous voit? Qui dans le passé était le premier ministre de Michel Martelly, expulsé parce qu'il ne voulait pas créer un espace pour que le pouvoir du PHTK puisse atteindre son objectif initial qui était de voler l'argent de la République, de détourner les fonds d'État. Gary Conny se doit aujourd'hui d'agir. Sinon, Gary Conny, c'est même bagaille que lié à tout l'autre sanctionné. Différence seulement, c'est que le premier ministre Jodia, différence, c'est que il n'y a pas encore sanctionné lui-même. Période, c'est ça. Hein? Gardi Leblanc, homme de gauche. Gauche caviar, peut-être. Même Bab dit ça pour lui, Kounia. Comment voulez-vous, Gardi? Après avoir lutté à côté de cet homme de l'OPL, Gérard Pierre Charles, et puis on comporte au conseil Jodia, comme si ou coordonnateur ou président d'un conseil, et puis on comporte un avorton, un minable. Comme si vous avez peur de mourir, regardez. À la jouer là. T'as fait comme. Monsieur Gardier Leblanc, Edgar Leblanc fils. À quoi ça sert de mourir aujourd'hui? Vous avez déjà fait l'histoire. Vous avez déjà été sénateur de la République. Je ne parle pas de vos résultats. Coordonnateur de l'OPL, son titre extraordinaire. Un paquet de monde qui compte l'île dans l'OPL, et puis c'est où vous choisissez comme coordonnateur. Un paquet de partis politiques, Jodia, qui choisit pour représenter dans CPTA. Vous êtes coordonnateur ou président actuellement du CPT.
soit pas attendre encore. Fait plus temps. Vous n'êtes pas un homme plus comme si vous l'étiez. Ou d'ailleurs, t'es riche, même bien avec l'autre négo, qui est riche et influent au sanctionnaire. Mais Gardi, faites quelque chose pour la République. Gardi Leblanc, je m'adresse à vous aujourd'hui. Ah, excusez-moi, je comprends. Vous avez gardé le silence concernant la corruption au niveau du CPT. Vous êtes également corrompu, Gardi. Claire, automatique. Bien pas les gars. Parce que vous devez dénoncer ou démissionner. Mon Bafel, c'est qu'on d'accord, Gardi. Et même si ma demande pour réagir par rapport à sanction, ou pas Fel, parce que Michel Martelly et PHTK ont soutenu pour vin chef. Donc vous n'inspirez pas confiance à la population, Gardi. Mais je vous donne aujourd'hui un espace. Je vous donne la fin de cette semaine, Gardi, pour marquer cette différence. Gary Conny, où t'as vivre à l'étranger. Et comme Marco disait, nous étions dans notre misère. Nous vivons notre misère. Nous t'as évolué chaque soir. Et côté Naptadé, le crépitement des balles assassines dans nos quartiers populaires. Parce que nous sommes des éléments qui évoluent dans les quartiers populaires. Il a une sortie. Mais entre-temps, vous, vous étiez responsable hémisphérique de l'UNICEF. Et où t'as vivre bien. Mais, où est-ce chance pour arriver premier ministre? Ça va plus faire pour payer ça. Faites en passer. Ou pas de faire rien. Et des oligarques qui font l'argent. Vous n'allez pas monter une commission? Gary Conny, vous n'allez pas monter une commission? Pour faire le jour sur la question? Ça va intéresser. Pour garder si c'est vrai. Attention. Selon la loi haïtienne, est-ce que c'est vrai? Michel Martelly avait facilité le passage de la douane vers les États-Unis. Parce que l'ambassadeur, selon Manuel Yves, dans l'une de ses rarissimes déclarations, dit, il t'attend jusqu'à ce qu'il y ait preuve. Pour même l'État ici, il y a preuve. Bon, comme si, souvenez preuve. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent qui, de l'argent sacré en Haïti, qui investit dans des domaines précis? Et tout ça est offert, oh? Si c'est corruption, est-ce que l'État ici n'est pas fin avec ça? Gary, êtes-vous un lâche? Êtes-vous un peureux, Gary Conny? Je vous dis en vérité, Gardi Leblanc et Gary Conny. Si vous ne faites rien, vous ne faites pas honneur à la République, vous ne m'intéressez pas comme politique. Laissez le pouvoir. Partez. Vous êtes des bons à rien. 107.7 FM. Vous êtes des corrompus. Comme ceux qui ont été sanctionnés. Il n'y a pas de différence. Vous êtes venus pour accumuler une certaine richesse et partir. Pour vivre heureux et nous laisser de la misère abjecte. Vous n'allez pas terminer la transition. Vous saurez. Gary Pierre-Paul-Charles en face de vous. Marquez la différence et vous aurez Gary Pierre-Paul-Charles avec vous. Merci en pile. Gary Pierre-Paul-Charles, malgré ou dit les émissions, mais et nous remercions Gary pour justement pour belle intervention ça et ou fait en pile mon félicite auto parce que estimez que ou capable ou une capacité ça mais malheureusement nous tellement des amis au gros, des amis en pile et des amis au pas propre. Chaque l'autre a fait une belle intervention, mais après, bon, franchement, il y a pris l'eau, il n'y a pas la voix, obligé de tendre quelque part. Ça veut dire que, et bah, tête chargée. Bah, tête chargée. Et, son, bah, gros causé, oui. Commissaire Muscadet. Et, grand peu le monde qui a parlé de commissaire Muscadet, tout, oui. Il y a voulu dire que j'aurais pu moins tard, le map vient sous commissaire Muscadet, parce qu'on est, nous, bah, pas arriver dans le département du pays, hein. Eh ben, c'est ça. Eh ben, chef gang et tête calé Bobislan, qui s'est président par accident pays d'Haïti, hein, et qui n'a pas gardé sous écran là avec Kinali, on met, et, gen qui problème, monsieur, gen problème. C'est gen problème là, oui. Eh ben, ça qui passe, gen des contacts qui t'a fait pour monsieur ta loger col en Dominicanie, parce que, définitivement, vous sentez que la Dominicanie, c'est repère des bandits, kidnappés, assassins, gang politique à Haïti. Et depuis, n'a fait une vol au côté pays à qui côté là le vivre, en Dominicanie. N'a pas tué mon en Haïti, côté là le vivre, en Dominicanie. N'a pas tué président côté là le vivre, en Dominicanie.
Il a fait toute qualité crime côté la vive en Dominicanie. Je dis, hein, faut tout haïtien connaît que la Dominicanie est quelque part recevoir depuis ces volants qui a détruit Haïti, ennemi pays d'Haïti, criminel qui a détruit Haïti, la Dominicanie recevoir yo avec des bois l'ouvrir. Mais je dis définitivement, faut que tu aies des dispositions qu'a prend pour que nous mettons frein naturellement dans l'action série volé en dans pays ça. N'a pas tourné sous volant ça et bonne retire sur écran, tu sur écran tu volo avec madame Rito là. Tu chien quoi toi. Pardon. Tu voles vin gonfler sur écran là. Il y a bataille en face. Donc elle connaît jot qui là. Quelques agents ça hier. Nous qu'on étudie nous qu'on tuer, c'est kidnapping qu'on kidnapper, c'est volant qu'on vole comme l'état, mais on green bail pour qu'on connaît. Nous pas capturer tout le monde. Aïe aïe aïe. Et ou pas capturer tout le monde. Et m'espérer que États-Unis d'Amérique va nous plus bourrat mais cependant nous va faire l'autre choix matéli. Soba vle ouya. C'est lui après. Et c'est bataille à déclencher contre nous-mêmes. Jusqu'à ce que nous jeunes justice pour Jovenel. Batalier! Allô, 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 tout mon bête la sonne! 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 Allo, allo, allo! Batalier! Allo, 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 trompette la sonne! Batalier, trompette la sonne, batalier. Et c'est bataille pour nous capable permettre que le pays sorte en situation difficile qu'il trouve là. Parce que si je dis, si nous sommes dans l'état, ça qu'il trouve là, un groupe de monde qui mène là. Et je dis toujours, les gens ne sont pas en pile, ils sont vraiment pas en pile. Depuis que nous mettons nous ensemble comme majorité, garantie. N'a pas facilité pour que nous permettre tête nous sortir dans situation difficile ça nous capable oui nous capable mais c'est tête ensemble que lié en nos gomains dossier DCPJ qui sorti et yon liste là côté qu'elle mettait des journalistes qui fait partie de médias correspondants médias traditionnels et radio et médias en ligne Lisa Noël Noël mettait marchandise en Haïti. Ça me trouvait que li injuste. Et yo mette Matiado Vilme, qui se correspondant La Voix de l'Amérique, qui m'estime que qui pas logique. Yo mette un paquet l'autre jeune qui fait partie de médias en l'air là. Me dit que si yo kembe trois journalistes qui dans gang nèg yo ba implication yo, nèg yo dit, nèg yo tout simplement dit oui, mais qui l'autre journaliste qui qu'on a le fait interview, qui qu'on a le couvrir conférence pour monsieur Améondan. Bah quoi vous faites partie de gang pour ça qu'on a ça qui est important de CPJ doit inviter monsieur yo y a pour vous présenter avec avocat yo mais là tout m'a déboire arrêter yo et volo yo yo dit dans volo sans qu'un mec volo ou volo qui preuve que yo volo qu'on est capable s'ouvre l'étendue yo ou attendre yo y a venir dans téléphone yo ou fouiller téléphone yo ou contrôler ou et ou pas que dire le message y a bon vérité il gagne mais là met Stanley non ça pour nous pas qu'à faire média en ligne dit nous ça très bien pas qu'à faire peur. Ou nous la gon équipe et comment elle est et poulet ti comment elle est ti coq la cap coda c'est kada do info beto on sait pas ça moi tête fait m'a regarder m'a demandé bon si a parlé d'info beto faut m'attendre et ti comment elle ti coq la ta coda c'est pour lui prendre info beto dit mais info beto tel bagaille 1 2 3 4 1 2 3 4 mais info beto mettez photo info beto ou pas gain grain vrai fait li sans ave. Une bonne salope sale. Nous pas un grain vrai. Éveille m'a veillé nous. Éveille m'a veillé nous. Fais-le. Et puis nous un grain fais-le. Et rap codasse. Mettez info beto. Mettez tout bagay. Mettez les bacodas ou bacodas tirer par la balle. Bon, sou gen grain vrai. Mettez info beto. N'a pas tourné sous ça. Nous pas, non, et mettez Alain Rémy et mettez Journal George et réagir sous dossier et m'capable dire nos journalistes. En attendant de mettre George tout d'abord qui font belle intervention sous dossier arrestation journalistes. Mettez George nous allions. Côté que DCPJ, l'allongé doit être bien long. Son série de journalistes, en DBIA, c'est comme si journaliste à eux, pas rien doit exercer profession à eux. Jean Constitution dit notamment
n'a pas parlé des articles 28 et suivants de la Constitution. Article 28 de la Constitution dit comme ça que journaliste doit exercer profession librement et prononcer en toute matière. Si un journaliste allait dans une conférence de presse, quelque chose qui a une conférence de presse là, il n'y a pas qu'à associer à moun qui a une conférence de presse là. Conférence de presse là, c'est bagay, pas moun nan bay li. Journaliste lui-même, wali, c'est aller chercher information pour le pays. Et si toutefois moun sa, c'est un monde qui t'a recherché par la police, journaliste pas rien pour yo wè dans ça, c'est travail la police, pour la police fait travail li mettre dans gagan moun sa. Et si la police te mette moun sa hors d'état de nuire, journaliste pas t'a jamais ni pour une conférence de presse. Ça c'est le constituant qui parle. Et l'avocat entendez que de ce que des journalistes t'a participé dans une conférence de presse ganga bay sont faute bah faute et maintenant il est pas obligé gang pour ça et il pas gang ça m'a dit si il gang est-ce que tu es bien examiné mais il t'a fait action. Je ne kidnapping. Ça, c'est pas un empire, ça est tripotage. Tripotage, l'autre journaliste a fait qui n'a pas gagné des contacts pour joindre des informations, ils sont sortis pour eux, éliminer eux. Bon, ça n'a pas fait. Et ce matin, vous voyez le commissaire gouvernement, je parle avec elle sous question. Parce que c'est une question d'ordre public qui intéressait la nation haïtienne et le monde entier. Et pour cela, nous-mêmes n'avons qu'à pas croire qu'on démarche fait droit ça, yo. Parce que comme ça qui passait, où est les ténèbres, coule la lumière qu'elle sautait. Donc, nous-mêmes, nous dit clairement, journaliste qui a un droit, quelque chose. Bon, d'ailleurs, est-ce que si elle n'est pas entrée en Haïti, une fin de gavelle. Là, il a évité l'homme, il a chita, il a fait conférence avec elle. Les secondes, puis ce pas les secondes tout. Les chita a évité nous tout le quel autre journaliste étranger tout vous allez ou Kaitila pli Kaizo c'est gagné. Regardez monsieur, retenez à Louis tenez. Ce pays a nous besoin crasé. Ou bon jeune déjà qui ont de pays a pas besoin de travail puis au faire, il y a occupé tête, vous ne bagaille puis au faire. Pour utile pays a, utile nation, utile chaque grand monde, utile tête. Et puis nous-mêmes, nous avons mis l'étiquette gang sous deux. Mais nous avons de honte. Et les gens qui ont fait ça, nous avons de honte. Donc, sans bonne accusation, sans preuve, ce n'est pas un machiavélique de monde qui a fait à des faits inavouables et inavoués. Et nous-mêmes, nous dit que la Constitution baille chaque journaliste doit entrer dans tout corridor, descendre même en bas en main, va chercher information pour informer le peuple là, pour nous qu'à côté de mettre le pied, nous côté de nous pas mettre. Donc, dans ce sens, nous voulons un message à toutes les autorités du pays, notamment de CPJ, notamment le parquet de Port-au-Prince et tout parquet de la République, de
fausse accusation comme ça, bah, et mensongère, si on a participé dans la conférence de presse, c'est à bon droit. Merci beaucoup. Donc, des informations que nous gagnons, dit deux fois, la fumée va rendre des faits du fait. Quand il va y s'en sortir, même. Eh bien, pour tout le monde qui comprend la République, il y a un journaliste qui a arrêté depuis au mois de mars qui t'a répondu à nos Yvener Silla Fanor qui t'a avoué par la police au conditionnel que l'icône gain contact avec gun et les moments de acquies l'icône a allé côté gun yo le pour aller liciter non certains journalistes c'est ça va la tricailler mais pas le seul fait que un journaliste pour aller au côté il invite un autre journaliste pareil, ça va me dire que mon yo invité à moins que yo ka prouvé quelqu'un fait des actes délictueux, il n'est pas obligé de pour ça. Au contraire, la chercher information pour la population, hein? La chercher information pour la police nationale. Mm-hmm. Que la police nationale de chéri, que la police nationale de récompenser Mounsa. Pour utiliser des informations qui sont capables de porter de très graves préjudices à la population. Hein? Et puis voilà que, vous avez une source directe, une source fiable. Et la c'est police ça. Lui-même, il doit utiliser l'information. Ça qu'on est passé, M. George. Et bon, je dis ça avec toute frame, avec ce capteur de là. Alors, déjà, et premier ministre Dr. Gary Conille dans le nord et du pays pour le moment, et plus précisément dans la ville cap-haïtien. Et bon, je dis, M. George, par exemple, le gouvernement américain, comment il y a une information sur Negio? Non seulement il y a des journalistes qui sont en Cal en Haïti, journalistes américains, calé avec petite étiquette journaliste là, mais ils ont pris le poté information en bail, et autorités concernées aux États-Unis, pour dire, mais comment il y a? Mais qui s'agit et qui ne va pas obligé de prendre la oui. Il y a des conversations privées que vous avez avec un chef de gang. Il n'y a pas de recorder tout. Il y a un qui est pour le public là, mais il y a un qui est pour le service secret des États-Unis d'Amérique. Ou bien il n'y a pas de recorder, il pas public. Qu'est-ce que ça pour la police te doit faire? C'est utiliser des jeunes qui peut-être influents sur le réseau que M. Améo estime que l'important li est d'avoir une conférence de presse pour aller ou une conférence de presse pour eux. Eh bien, l'État a utilisé les jeunes pour jeunes toute information sur les mais. L'on regarde qui l'État, qui la police, sont la police qui pourrit avec gang, sont la police qui pas vle pour que gang n'écrase. Li pas vle moun gen information sur gang nan. Ça veut dire que si gang nan, si ti moun yo pral andan, ti monsieur pral andan, peut-être que ti moun y a peut-être gon idée de nèg qui nan la police nan wo état-major kap vann nèg yo zam, vann nèg yo bal. Est-ce que comprenn? Même matériel que yo prennent avec bandi, yo vann avec bandi encore. Ça veut dire que il y a information qui pas ka prend la rue. Et ça qui cause nèg yo prêt pour avili des jeunes qui nan média en ligne. M'a dit monsieur qui est possible parce que longue d'avance, nous avons déjà puissance là, son puissance de croiseur, son missile que lié. Ça veut dire que n'importe ce qu'on fait, il y a fait éclater dans mes noms, 25 avés. En avance, M. George. À bon escient, cela veut dire que si gang ne sont pas de drôle, de bras fait, qui est capable de tuer, qui est capable de voir des faits de drôle, que la loi ne pas reconnaître, la police fait pour prendre les devants et pour lui maîtriser malfrat ça. Donc c'est un journaliste ça, oui. Donc si il y a un téléphone ou gang, sous téléphone au monde, ça va venir du monde dans gang comme ça. Surtout un journaliste. Parce que journaliste c'est lui qui a promené chercher, qui a promené rien, qui a promené chercher information pour bail. Toute société. Donc nous-mêmes, nous inscrivons en faux
contre décision ça que DCPJ t'a pris pour citer nom des individus qui sont membres de la pièce ou reconnus. Et fini pour dire une gang pour ça. Donc, bah, ça, c'est un bagaille pour pas qu'elle vous ait jeté dans la poubelle de l'histoire. Et mettre Renan George et faire réaction sur ça. Gagné tout mettre Anel Remy qui intervenait sur ça tout. Nous devons attendre avec un peu d'intérêt. Mettre Anel Remy et sur ça qui dit. Ya. Et nous devons attendre mettre Anel Remy et qui parlait sur le dossier ça tout. On a attendu l'intervention mettre Anel Remy. Il y a même qui proposait pour m'accompagner à la DCPJ. C'est moi qui dis non, je dis écoutez, nous allons nous adresser à la DCPJ. Pour dire que nous sommes prêts à collaborer puisque vous avez cité notre nom dans un quelconque rapport. Maintenant, je viens pour qui ça? Maintenant, sur le plan procédural, on défend ce droit moun, comme René Rémy, depuis qu'il y a une menace contre la liberté individuelle, pour qui ça me dit ça? Parce que, depuis qu'il y a un mandat, il y a une menace contre la liberté individuelle. C'est des journalistes qui ne peuvent jamais circuler librement. Ils ne peuvent jamais à l'aise. Donc, on y a là, même comme avocat, le client dans une situation comme ça, qu'est-ce que ça peut faire? Nous pouvons faire action en habeas corpus préventif. Nous pouvons faire action en habeas corpus préventif parce qu'il y a une menace contre la liberté individuelle de ses clients, de ses journalistes. Je ne suis pas obligé de tant que DCPJ voue un rapport dans le parquet. Je ne suis pas obligé de tant que DCPJ arrête monsieur. Donc moi-même comme avocat, rôle moi vini. Rôle moi c'est accompagner les clients, faire procédure pour protéger la liberté des clients. Et travail ça, je saisis le tribunal de première instance pour faire un habeas corpus parce que son référé sur le plan individuel que lié. Maintenant, pour nous dire, écoutez, doyen, bon rapport qui sorti, bon journaliste qui a arrêté que tu as fait de toi déclaration, qui t'a dit que journaliste a eu quelconque lien avec Bandi. Mais qu'on a plus que qu'on est droit à son science de preuve liée, donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Eh bien, en attendant que pas qui a fait travail par le parce que mon patron est si au jeune Massado Vilma avec mon sang. On ne pas connait ce jeune Massadovin, mais non fait partie de gang, on pas connait, je ne sais pas. Il revient au parquet qui c'est chef de la police pénale, c'est instant d'enquête pour déterminer si Massadovin mais ou bien Marchandzin ou bien Mackenzie ou bien Jacques 6. Non gang. Mais pour Kounia, wall moins c'est veiller à ce que les clients soient pas arrêtés. C'est wall moins ça. Puisque il y a une menace de liberté individuelle et que commissaire gouvernement sous route pour le mettre mandat d'amener des MSA. Donc, moi, comme avocat, qui a défendu, qui a défendu journaliste. Donc, nous prenons la bataille pour que nous protéger la liberté journaliste. Nous connaissons des journalistes, malheureusement, qui ne pas reconnaître, qui ne pas apprécier le travail que nous faisons. Et des journalistes qui sont animés par d'autres mauvais intérêts. Qui a laissé hier pour la terre l'image. Mais je suis devenu plus fort par la grâce de Dieu. Mental la pivot nous plus fort. Et c'est parce que nous connaissons les journalistes qui ont contribué dans ce là tout qui fait que le bon journaliste a un problème. Moi, le premier avocat posté, c'est Maître Anel Remy. Depuis le journaliste a un problème, c'est Maître Anel Remy. Que vous pouvez en famille à whatever mon nom. Mais mon cabinet est toujours ouvert. Vous avez seul cabinet qui rarement prend encore consultation. Tellement le cabinet est ouvert. Donc c'est dans ce sens que je dis que pas ici. Son cabinet qui travaille pour aider sa plus faible, pour aider sa besoin, pour aider sa besoin avocat. Et pour qu'il peut moun cap utiliser mauvaise expression pour tenir image. Donc Jean Zoulan, nous pourrons commencer dès aujourd'hui, à dire dès aujourd'hui à là, nous allons faire procédure, nous allons faire bien 100% de privé que doyen, demander autorisation, etc. Qu'on a signé commissaire gouvernement avec des CPJ dans référé. Maintenant, pour que nous permettre que les journalistes jouent une ordonnance préventive là, qui a empêché que des CPJ procède à l'arrestation. Parce que nous avons un rapport, des CPJ mène une enquête, si la femme fait des déclarations,
Eh bien, journaliste dans une situation difficile, il y a un journaliste qui dit maman le bébé depuis hier. Massadoville même qui sorti dans un cancer malade en pile là, donc situation vraiment compliquée pour lui. Ça a un gros impact psychique sur mon tout, sur moral lui. Ou pas j'ai mal à l'aise. L'autre de DCB je pas malade d'ailleurs, moi de mettre d'ailleurs, pas j'ai mal à l'aise. Ou pas mal à l'aise. Ça comme avocat, nous disons que nous accompagnons, nous continuons à accompagner et nous étions quoi que parler avec un homme, nous avons téléphoné et nous avons couvert ça pour moi. Et si pas venir sans fort, tant qu'on artiste. Yo kon rele de trois artistes vin jouer. Est-ce que si on découvre ce téléphone artiste, on appelle mon gang. Est-ce que ça oblige dit li nan gang? Gen deux artistes, pourquoi Baki parle de ça? Alors est-ce que c'est sinon Baki avec très premier vous? Pourquoi Baki parle de ça? Baki dit mon si yo rele avec le DJ tout parle de ça. Mon si menti. Yo rele pour vin jouer. Li pas capable vin jouer parce que yo dit nous kon koto passé, nous kon koto fait. Est-ce que c'est un téléphone DJ ou un téléphone de 5 jeunes numéro ça? Est-ce que c'est un tablet dit ils ont quelconque connivence avec nous? Ça, je ne connais pas. Mais moi, comme avocat, nous allons faire le travail. Nous allons continuer à avancer la bataille. Là, et nous allons continuer à dire à tous les journalistes qui sont conséquents que nous mettons compte sur le cabinet parce que nous-mêmes, depuis, nous avons une responsabilité pour nous assister ou nous assister. Et c'est à vous plaisir que nous défendions, parce que nous sommes défenseurs de la monde, et son monde qui défend ça plus faible, et le cabinet toujours ouvert pour défendre. Est-ce que ça t'avait dit que assistance comme policière, ou pas président, comme vous connaissez les supérieurs, ça ne savait pas comme d'avenir? Non. Et j'aime dire là, en faute des précisions, ça, rien de faire de procédure, ce n'est pas moi qui vais le payer. Ce n'est pas moi qui vais payer les frais de procédure. C'est pas moi. Un peu exemple, si j'ai besoin de service, je devais pour verbaliser le rapport là. Je ne vais pas le payer. Il ne doit pas m'en honorer. Parce que moi, je suis comme avocat. Mais les frais de procédure, il y a ma charge. Parce que pendant que je m'appelle là, tu as dit si j'ai besoin de constat, si j'ai besoin de si font papier, il ne pas sortir de ma poche. Parce que moi, comme avocat, je suis un cabinet. Tout le cabinet a commencé à m'appeler. Et malgré le fait ça, il y a plus de monde qui. Et l'ingratitude en retour. Mais bon, bah, la Bible a continué à faire le bien, faites le bien autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Et. Pourquoi ça va pas contre vous? Non. Papier, tu vas déranger. Nathanel. Mais Rémi, pour les personnes à vous, est-ce que c'est journaliste en soi qui contacte le cabinet là? Ou ça, c'est institution qui travaille là qui contacte le cabinet là? Non, journaliste. Alors, il y a Massado Vilbe qui t'a demandé. Tu dit la côté la travail la voix d'Amérique pour le connaître si vous le faites. Mais il y a l'autre journaliste qui contacte personnellement et qui dit que vous avez que cabinet assisté. Voilà. Et deuxième point de mon question, est-ce que la loi by DCVJ vraiment droit pour demander mettre un mandat d'un monde sans qu'elle pas auditionnel après avoir arrêté? Il y a un monde qui t'a dit que soit que tu as en main quelque part. Bon, la DCPJ c'est une instance d'enquête. Ce n'est pas une instance de jugement. Il a fait suggestion. Maintenant, pour rien, on va dire ça qui est extrêmement intéressant. Est-ce que vous auditionnez ou non? Bonjour, comment non? Est-ce que vous attendez les journalistes? Pour qui ça? Vous mettez nos journalistes dans la parole, sans vous attendre. Parce que si maintenant nos enquêtes sont assassinées ou bien on refait un quelconque, vous citez non. Donc, il faut au moins être dans l'eau. Et de deux, Marchandzin, c'est une personne morale. Marchandzin n'est pas une personne physique. C'est-à-dire, lors d'une enquête, dans un rapport là, mettez mandat de Marchandzin, attention, il doit tout écouter, bon faire la bonne erreur, parce qu'on ne peut pas procéder à l'arrestation de Marchandzin, qui est une personne morale, pour ne pas accoucher. Marchandzin, c'est une personne morale représentée par des personnes physiques. Et mes personnes visuelles, c'est chaque journaliste qui représente des marchandises dans différents départements. C'est-à-dire qu'ils sont précis pour avoir la tampoté parce que l'homme, moi, ça me confie tout. Mettez-moi, allons une précision. Après l'étape, il y a une table qui décide de faire chier, il faut que l'on ait un paquet avec le mandat. Qui s'apprête à faire bon, automatiquement que le DCBJ achemine le rapport à la baille, parquet pour aller rédiger le mandat. Vous avez un côté de journaliste à arrêter.
Vous avez côté aujourd'hui à Paris. Et Kounia, c'est ça qui fait intelligemment, ils ont constitué un cabinet d'avocats, pas n'importe lequel. Un grand cabinet d'avocats, si vous me dites ça. Kounia, moi, je ne sais pas faire. Le game menace contre liberté individuelle, ça a ce qu'on fait. Et doyen, ça a été là. Kounia, vous avez doyen, doyen, il y a un problème là, parce que vous risquez d'arrêter l'examen. Quand il y a un ex, on va l'obliger à ordonner ça, marcher tout de côté. Tout de côté, on va l'ordonner ça. Pour dire, doyen, dit que, puisque vous avez tête à la liberté de circuler, comme moi-même qui sais juge de la liberté individuelle, eh bien bon, par rapport à la procédure de la décision. Parce que là, automatiquement, que ne pense pas bien que par quelle c'est instance de poursuite, l'arrêt au fond de l'eau. Si le temps est que monsieur même déclaration pour quelqu'un vaut pour vous aider de ces carabines d'instruction, et l'on connaît la situation en prison, arrêtez journaliste ça, vous avez une carabine d'instruction parce que tu as eu quelques allégations sans preuve. Moi, je comprends, non? Parce que son déclaration, lui. Donc, son déclaration, lui. Les gars font déclaration. Quand il y a un format de déclaration avec le preuve, quand il y a un sous-jeune, 2-3 ans, quand il y a un Macedo, c'est l'autre problème. Là. Si vous faites l'acquisition, vous avez un exemple comme Macedo. J'ai une zame qui est une zone. J'ai une zame qui est Mackenzie sans le problème. Zame illégal, bien sûr, parce que ça arrive comme un guépère pour dame légale. Parce que là, il y a une sorte de déclaration à faire. Moi-même, comme moi-même, avocat, je suis l'esclave de la loi. Et voilà comment on dit, voilà, regarde l'intervention. Critique nous qu'à faire, mais cependant, comprendre toute intervention basée sur la loi. La loi dit. En matière de menace contre la liberté individuelle, mais ça vous fait. Et comme de fait, c'est l'imbal. Très bien. Et naturellement, c'était Anel Rémy. Maître Rémy fait une intervention et sous dossier journaliste que lisse ça, que DCPJ mette d'ailleurs comme quoi que journaliste tout avait une implication dans ça qui est pour elle. Et avec alors t'as des mèches avec gang dans la coupe d'Haïti. Merci en pile maître Rémy. Voilà, et bataille là la continuer. Nous comprenons ni et j'en dis là n'a pas continuer et n'a même lancé ça. Et un jeune garçon ou des connivence avec gang, DCPJ gagne information sur yo doué arrêter et mettre en côté ou machine pas frappe. Mais si c'est sous et base pour faire mon peur attaquer et des jeunes qui dans la presse, non. Il pas marcher parce que et ça nous est déjà. Nous est déjà et il va passer. OK? Chef gang Galilan et qui c'est président par accident tête calé Bobislan, eh ben justement qui a gros problème côté m'a parlé mais voilà, meni. Et on va cacher quoi garçon, on va arrêter sans arrêt. Cogno, vacabon. Et attendez non, et grand avocat là qui c'est met Julien. Met Julien dit en pile causer. Met Julien profite de saluer un haïtien et de pour aux États-Unis papa. Ou gen ti problème là, contactez Met Julien, c'est eux dit son avocat sérieux, moun de bien, pas connait les non mais son haïtien. Vous comprenez moi? Et c'est bon monde. C'est l'information. En avance, on t'a dit mettre Julien qui est venu sous dossier impliqué dans le commerce mondial des drogues. Met Julien parler sous dossier Aristas et comment les sanctions Matelia. Attendant pile go causer mais Julien pas dit là et moi même tendez c'est arrestation m'attend on va d'avoir idée moi même m'attend là papa mais moi même me préparer champagne moi déjà bah toute activité moi déjà m'a prier tout c'est à code m'attend code pour foutre dans code mettez l'emballe en main petit volo et ou pour un pays et pour vivre bien Miami tout haïtien pété quoi le prend humiliation dominicaine un pays foot pourri avec zam tout monde est capable vivre dans pays hein si pays était normal la dominicaine tout monde ca vivre tout dominicain ca vivre la caillou Dominicain voyager, là, chercher la vie l'autre pays, les vacances rivées, le calme dans le pays. Mais en Haïti, tout Haïti, c'est un commun qui est dans le c'est Peter ou Peter Koury, c'est Maroyal Maro. Vous comprenez? Mais sans avis, ça, vous mettez dans l'état, ça, ce qui nous a capable de regarder, entendez, M. Julien, qui est dans le micro, Magic Naï. Et l'action menée aujourd'hui contre Martelly souligne le rôle important et déstabilisant que lui et d'autres membres des élites politiques corrompues ont joué dans la perpétuation de la crise actuelle en Haïti, c'est ça. Bradley Smith, secrétaire d'État par intérim
au terrorisme et au renseignement financier dit et il a poursuivi pour dire dans communiqué ça que il collabore avec des partenaires internationaux lui déterminé pour déstabiliser monde qui a facilité avec drogue corruption avec d'autres actes illicites qui alimentaient une violence qui horrible que gang a fait et qui menait instabilité dans un pays à États-Unis ils ont engagé pour promouvoir responsabilité et création d'avenir plus prospère pour pays à il dit plus loin que monsieur Mantelli a abusé de l'influence pour faciliter le trafic de drogue dangereuse, donc cocaïne à destination aux États-Unis. En outre, Mantelli est engagé dans le blanchiment des produits illicites de la drogue. Il travaille avec des trafiquants de drogue. Il parrainait un pile gang dans un pays d'Haïti. Parmi implications, sanctions, des institutions financières américaines ont interdit pour eux faire un jeu prêt ou bien pour eux bal crédit. Toutes transactions en devise qui soumettent à la juridiction aux États-Unis, dans lequel Mantelli a intérêt. Personne américaine, yo, en tout cas, ressortissant américain, yo, interdit pour yo, investir ou bien acheter des montants significatifs d'action dans, mais, monsieur Mantelli. Là, nous, n'a pratiquement, si vous comprenez bien, des comptes ou des infractions qui, du domaine clairement criminel, c'est trafic et drogue, c'est et corruption, c'est association malfaiteur, on a dit ça, ou bien support à gang, le trafic d'armes internationales, qui c'est, dans le cas des infractions transnationales. Mais premier bagage, nous avons ou expliquer nous, mettre les fans des années juillet, pour qui ça c'est pas ministère justice, et qui font une date mettre, c'est le département du trésor. Et, prérogative ça, le département du trésor. Rentrez là-dedans avec tout pour qu'on comprenne implication, yo, en second lieu, au niveau économique, civil et financier et commercial pour concerner. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, États-Unis, système américain, yo, gagné, et sont arrivés, yon principe que utilise en pile, c'est le principe des juridictions concurrentes. Et, au cas gagné, même, et problème qui posé à et comportement et infraction crime qui posé à et ou ka gagné plusieurs instances dans le système américain qui décidé et sévi contre individu à et ça pas veut dire que l'autre yo pas fait non plus. Alors ça crive là jodi à nous dans cadre sanction pas oublié depuis quelque temps plusieurs pays a annoncé sanctions sur Haïti et sur des monde qui en Haïti et département du trésor c'est les mêmes qui devant banna, OK, et bah ça a commencé et en 1812 que département du trésor américain commencé faire genre de et bah ça sanctions ça yo et lorsque t'es gagné des troupes anglaises qui t'es à harasser des soldats américains et dans la mer, etc. Et depuis lors, ça vient continuer, département du trésor gagné et genre de prérogatives, ça. Alors, question que vous posez maintenant, très intéressant, à savoir, pour qui ça, c'est pas un indictment qui vient. Pas de monde qui connaît si pas un indictment qui vient. En réalité, estimez que, pour ça, États-Unis mettez là, dans le département du trésor là, parce que yotaka prend monsieur sous association avec gang yotaka prend sous instabilité, tout ça, et t'avlé qui résultait de association avec gang yo. Mais, dans document de sanction, yo mentionné deux bails pour moi qui est important. Premier bail là, c'est que yo dit yo travaille avec DEA pour y arriver là. Et deuxièmement, yo non seulement parlé de trafic de drogue, mais yo allé de manière spécifique pour mentionner cocaïne. À mon avis, si les États-Unis après yon tel indictment, j'aime d'arriver là du département du trésor, alors utiliser mon indictment là et au figuré, pas ta engagé poursuite criminelle contre Mantelli, m'pensais que y a perdu en pile crédibilité. Parce que, pas oublier que ça arrivait plusieurs fois que les États-Unis descendent en Haïti, yo, arrêter des citoyens haïtiens pour trafic de drogue, pour blanchiment d'argent. Et là, pour t'arriver côté que, ou gagnons ancien président, pour accuser de bagailles aussi graves, pour qu'on ait qui genre de pouvoir que le gagne, que li aux États-Unis, que le gagne accès à États-Unis. Et que après on telle accusation, de telles accusations, pas gain rien de criminel qui vini, système américain a perdu un peu de crédibilité. Maintenant,
quittez-moi d'où le bagage qui est très important. Qu'est-ce que ça veut dire de burden of proof, la charge de la preuve. Et là où dans le domaine pas là, dans le domaine judiciaire, là, après c'est dans le tribunal, côté leur rassembler et indices et preuves, yo, ou soumettre à sagacité et analyse en procureur et système américain qu'on y a au courant, un grand jury qui fait un autre travail d'évaluation de force preuve et si on a mené à une condamnation devant le tribunal avec ou sans assistance de jury et qui baille des garanties judiciaires pour que monde qui inculpé a ait accès à dossier et préparé défense. Et est-ce que clairement et ça a tagné comme preuve en attendant indictment, donc par contre si vous avez une qui serait quelque part, on a souligné ça. Et est-ce que charge de la preuve là dans cas ça, l'elle pas suffisante li pas mené à indictment, à inculpation. Moi grand pile information ça a circulé en pile dans le réseau yo et à savoir que charge de, et standard qu'on gagne pour satisfaire dans tribunal criminel là c'est beyond au-delà de tout doute raisonnable beyond a reasonable doubt et le on organisme tant qu'au département du trésor américain pour yo dire que non seulement le directeur et Flanner a impliqué dans le trafic de drogue et puis aujourd'hui c'est cocaïne. Comment pour faire connaître cette cocaïne si on pas gain preuve là? Vous comprenez, ça dit que là on fait pas et aujourd'hui que de travailler avec DEA. On fait ou gain des faits qui vraiment circonstanciés, qui bien détaillés et pas quoi que département du trésor t'a qu'à faire yon déclaration comme ça si yon pas gain preuve pour yon ta pour si yon pas gain capacité pour prouver au-delà de tout doute raisonnable. Autrement yon t'a qu'à faire des bails vagues du genre association avec gang et utilisation de pouvoir pour faciliter et instabilité etc. Mais là nous on a fait avec un bail qui extrêmement précis et ensuite gain un précédent et yon a bail qui gain c'est que en pile monde qui n'a pouvoir dans Amérique yo, yo toujours pensé que faire la volonté les quatre volontés des États-Unis les protéger yo contre eux et poursuite dans le futur. Ce n'est jamais le cas. L'on prend un monde tant que Noriega, c'était un agent de service secret américain yo qui s'était passé Noriega. L'autre jour là nous sortons l'autre cas intéressant là, c'est Juan Orlando Hernandez, président Honduras qui était qui fait tout ça les États-Unis besoin, mais monsieur t'es impliqué dans le trafic de drogue, finalement il prend monsieur, il a trouvé monsieur coupable et en mars 2024 là il a condamné monsieur à 45 ans d'emprisonnement. Donc et il y en a pas moi l'op suivre parce que qu'on est bailler gain ça les États-Unis pas turn yo. Et l'op garder que généralement accusation de envergure ça le fait contre des acteurs qui n'a arrière cour États-Unis li très rare pour ta on bail comme ça fait à ce niveau-là pour le pas gain poursuite criminelle. Maintenant qui nous dit Noriega, c'est Manuel Antonio Noriega qui était président Panama et Américains te font intervention pour te déposer monsieur et jusqu'à présent monsieur fermé non prison de sécurité si ma mémoire est bonne. Monsieur Mouri, il y a une semaine, l'on prison haute sécurité, et là, dans downtown, Miami, mais je voulais d'aller, et en 2000, mais là, oui, il me dit, et gros cause de papa. Maintenant, là, où sont évoqués président et Panama, ça, il a rappelé tout, que t'es un petit, et on s'est président panaméen, par contre, si c'est même monde, on a parlé là, Fabio Lobo, il était arrêté en Haïti, il était traîné aux États-Unis, et dans quatre périodes, 2014 également, de gain de neveux et madame et Nicolas Maduro et que Dié était arrêté parce que Boïcia tout faut bon songer que Boïcia son route et pour drogue. Maintenant nous on salue le rapport et n'a pas tourné tout à l'heure l'autre question sur question preuve là en utilisant l'inculpation de monsieur Mantelli et maître Julien tu as parlé de juridiction et aux États-Unis et approche rien maintenant me d'indiquer avant pour ça gain des éléments qui partagent par ambassadeur américain en Haïti monsieur Denis Hankins qui était en visite hier dans le nord les dit et m'a cité nous avons pris tout ce temps pour imposer des sanctions à Michel Mantelli car nous voulions nous assurer que toutes les preuves c'est mon salut utilisé, que toutes les preuves étaient rassemblées
et que la décision prise était justifiée. Il dit, et puis loin, depuis longtemps, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de la drogue, car cela a un impact direct sur le financement des gangs. Nous avons maintenant suffisamment d'informations pour agir. Et puis loin, il dit, le gouvernement haïtien, les gouvernements haïtiens et américains doivent s'unir pour arrêter les criminels à cravate, de même que les criminels armés. Ah, ça va, justement. Et est-ce que le considéré, M. Matéta, qu'on gagne à cravate, et Natik Martinoa, et ambassadeur, et détenu de voir là tout, il dit oui, puisque l'ancien président était engagé dans le trafic de drogue et a aidé des gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, nous l'avons sanctionné, bien que la sanction soit économique. Pour le moment, c'est notre détermination. Comment analyser entre les lignes et ce qui n'est pas entre les lignes et qui est clairement explicite dans les commentaires de l'ambassadeur Hankins et Benjamin? Bon, mon cher, je ne vais pas vouloir faire analyse et propos ambassadeur parce que je ne vais pas connaître ça, monsieur Guenamel, lui-même ambassadeur, parce que le système ça tellement compartimentalisé que m'pa connaît sa ambassadeur connaît lui-même. Cependant, moun k'ap suivre et qui connaît comment système nan fonctionne, nous connaît tel très bien que même si standard yo et standard que yo besoin satisfait pour que yo sanctionne par le département du trésor, les différents de standard qu'au besoin pour que yo convainque un jury, pas gen ken moun k'ap koute en Haïti là qui gen ti l'esprit qui connaît que les États-Unis pas ka prouver ça devant tribunal criminel si vous voulez. OK, nous connaît très bien qui rapport que les États-Unis gen avec BLTS, nous connaît de qui ça n'a parlé là, tout le monde connaît très bien que si les États-Unis voulaient prouver ça, il a fait. Maintenant, il y en a bail que en pile moun a mandé qu'on y a là. C'est prochaine étape. Et dans le cas de Juan Orlando Hernandez et du Honduras, Congrès américain a joué un rôle important dans forcer mais et exécutif là pour que yo mène monsieur devant tribunal criminel. Et c'est même pas ça que t'as parlé tout, certains monde t'a dit que gain pas le fait mais pas gain preuve, mais t'es gain des monde dans Congrès qui dit que c'est pas vrai, nous connaît que négo ka prouvel et après Congrès t'es mettre pression sur exécutif là, yo t'es finalement et mener monsieur devant tribunal criminel aux États-Unis. Et l'autre bail qui gagne, c'est que, il y a une différence qui est importante pour nous faire, c'est que le ou gagne accusation ça qui fait contre des présidents qui en fonction, et le ou gagne accusation ça qui fait contre des présidents qui pas en fonction encore. Généralement, les États-Unis apprennent le soin que, yo engagé poursuite ça yo, le monde n'a pas en fonction. En d'autres termes, monsieur, en position de vulnérabilité parce que n'est pas voilà. Président encore et on s'est passé en Honduras, c'est que quelques jours après et président Pana en fonction, il a arrêté, il a volé aux États-Unis. Les implications civiles, financières, commerciales de monde qui tombé en bas sanctions ça yo et même. Ça dépend parce que sanctions ça yo yo capable sélective, yo capable comprehensive. M'ba trouver mot regret, ça m'ba trouver mot cœur là pour comprehensive, mais comprehensive là c'est comme t'as dit total. Et dans cas de Martelly, nous voyons que et yo spécifié qui implication li gen. Yo dit que et monsieur pas qu'à transiger avec banque américaine, monsieur pas qu'à transiger avec et monde qui citoyen américain et monde qui résident et US person qui sont en terme qui veut dire en pile bagaille monde qui généralement et américain ou bien résident aux États-Unis, yo pas qu'à transiger avec lui. Cependant, m'pa wè un yen dans communiqué monsieur a qui dit que yo gelé avoir lui. Ouais, m'pa wè ça. Et tant comme zo sanction département du trésor yo capable sélective, yo capable et général global. Et donc est-ce que ça veut dire que pour ta fin fait champ de accusation sérieux pour pas gain gel des avoirs, mais ou connaît tout que généralement si gain poursuite pénale à ce moment-là pour gain gel des avoirs, est-ce que ça veut dire que yo estime yo pas besoin aller là et que gain l'autre bail cap venir, m'pa connaît. Mais pour le moment implication yo pour lui c'est que li pas cap faire prêt dans et
banque américaine, li pa ka transiger certains bail aux États-Unis, moun Amérique, moun ki nan système là que c'est américain ou bien ça ou les US person qui ka résident. Et yon US person quand même au monde qui TPS parce que sourit aux États-Unis on considère comme un US person et ces sanctions ça va savoir que ou limité dans son café avec monsieur et pour moi dans cadre et dans gamme de sanctions que département du trésor gagne c'est des sanctions plutôt légères pour le moment que il fait face à lui. Ça arrive dans le contexte c'est et dernière question à poser ou arrive dans le contexte de gagne d'accord on espère de tirer l'obé les menaces au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport à la publication du rapport expert qui était commissionné pour un travail sur ce qui est ça. C'est Linda Thomas Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, qui dit clairement qu'il y a des blocages au niveau du Conseil de sécurité. Bien entendu, elle n'avait pas spécifiquement fait référence à la Chine et à la Russie par rapport à rapport expert. Elle était citée nommément et le cas de M. Latortu, lui-même qui était précédemment sanctionné par le département du Trésor. Quand on regarde le contexte global, est-ce qu'il faut et regarder cette sanction américaine dans le contexte global et tenir dossier ça spécifiquement dossier des sanctions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Oh, absolument. C'est-à-dire que les États-Unis aient fait de telles accusations contre un ancien président et pas quoi que et mon cap travaille sur dossier l'ONU est capable d'ignorer. Mais et moi-même beaucoup me fait et système américain beaucoup plus de confiance que système Nations Unies donc on est pour des raisons évidentes et parce que leadership et ONU son leadership qui partagé donc ou bien plus chance que ou bien des nèg qui bloqué gain des éléments de blocage et estimé plutôt que les États-Unis et fait by tête un test là et tout le monde c'est un test de crédibilité que lié et tout le monde attend pour les États-Unis a répondu à propre test que le bail tête lié à savoir est-ce que ou capable accuser un monde de gens de bail ça yo pour que ou pas bail mon neuf et opportunité pour défendre tête lié et opportunité pour défendre tête lié c'est dans tribunal lié et me passer son gros test que on fait là et son gros test pour gouvernement haïtien tout à savoir que jodi a gouvernement gain là dit que il rentré dans rupture n'attendre que pour un ancien président qui gagne de telles accusations qui sa gouvernement haïtien a fait lui-même, est-ce que pas gon enquête cap dirigeante, est-ce que pas gagne rien cap passé, parce que son gros test pour gouvernement haïtien, et son gros test que gouvernement américain bay propre tête li en termes de crédibilité de poursuite que l'a engagé contre des citoyens haïtiens depuis quelque temps. Ouais, ça, me songe, déploiement que t'es fait, et là, les emails de Madame Clinton, t'es révélé tout ce qu'il y a eu comme, travail behind the doors quand le monde a voté et Vincent Célestin en faveur de monsieur Mantelli. On se rappelle de la fameuse conférence de presse à laquelle avait participé l'ambassadeur Kenneth Merton. On sait et on a eu écho si vous voulez de la visite de madame Mantelli entre les deux tours et comment la décision a été faite et puis ce sont les Américains qui ont mis leur poids dans la balance en faveur de M. Mantelli, candidat à la présidence au second tour. L'histoire dira pourquoi il y a eu cette décision et quel intérêt qu'il y avait derrière. Mais ce sont aussi les mêmes Américains aujourd'hui qui semblaient bailler l'estocage à la carrière politique de la même personne. La leçon ou les leçons politiques à tirer de ça, selon vous, c'est qui ça? Bon, et pour un bail là, c'est que, et pour les Haïtiens, et faut nous comprendre que, quel que soit ce qui a passé, et objectif final là, c'est réduire influence et puissance étrangère en Haïti. Ok? Quel que soit ce qui a passé, c'est que nous besoin, yon Haïti côté que c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas le Canada qui a choisi président pour pays là. Son situation d'indécence que nous supposons mettre fin à lui. Ça, pour moi, c'est leçon pour les nationaux. Maintenant, il y a leçon pour les États-Unis, tout. Les États-Unis. Pour les nationaux. Pardon. Est-ce qu'il va impliquer que le pays a n'a fait choix, mon nio, mon label, yo, pour prendre des mounes qui pas, m'a utilisé un mot, d'akadi, et qui voulait dire ça, voulait dire, mounes qui pas gagné fragilité au plus réel. Non, Robertson, et nous fait d'accord, moi, m'avoue que c'est pas Haïtien qui t'a metté Mantelli, c'était États-Unis qui t'a metté monsieur. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les États-Unis, tout, faut qu'ils arrivent dans un point côté que, pour dire que, et nous toujours
et monter sur un cheval de moralité, dit que les États-Unis et yo engagé yo à faire respecter les droits humains, faire respecter la loi, etc. Personne n'est au-dessus de la loi. Et puis les États-Unis aujourd'hui a l'opre communiqué qui sorti sur Matelia avec et email de Clinton yo côté que yo admettre que c'est yo même qui t'a metté monsieur président. Donc en d'autres termes, communiqué américain t'a dit que nous mettons nèg, nous fait magou une élection, nous mettons nèg président. Jodi a nous est que monsieur t'es dans trafic de drogue et que monsieur li contribuait de manière significative à instabilité qui gagne là. Nous gagne la décence pour que nous fait monsieur faire face à la justice. Et nous fermer à culpa nous que soit nous pas intervenu dans et fait élection bidon encore en Haïti ou bien si nous fait n'a pas assuré nous que c'est des monde décent, c'est pas que m'a normalisé et influence américaine nan, mais me penser que États-Unis pas ca ben nous li comme ça, à savoir que si c'est ou mettez là et que jodi a là avec gang que PHTK proliférer fait proliférer dans pays a en pile monde mourir, en pile femme violée, en pile drogue vient aux États-Unis, yon sanction aussi légère son bail qui est complètement ridicule et que me pensais que tout le monde cap réfléchir, nous pensais que faut gagner des conséquences beaucoup plus sérieuses dans ça qu'a parlé là. Effectivement, faut gagner des conséquences et qui plus sérieuse et parce que drogue dealer ça au criminel ça qui bail zam pour touyer moun en pile kidnapping en pile assassinat en pile ti moun qui t'Haïti dans pas bateau yo bateau disparaître requin manger yo ça veut dire qu'en pile haïtien mouri dans qui t'Haïti aller Brésil al Chili traverser 10 pays pour arriver bas pour Texas au coup de la route bête mange en pile dans ça veut dire que nèg ça responsable tout crime ça yo tuer président nèg ça doit payer pour lui sous quelque soit forme nan assassin ça ti volo ça que n'a regardé sur écran doit payer pour ça n'a tourné l'audition moi mais non pile bon Dieu béni non.